Allez, c'est parti pour ce second tir progressif sur la droite de l'écran pour Saint-Vulbas. C'est Valérie Maugiron. Sur la gauche de l'écran, c'est Céline Perrichon pour Nyons. Et on devrait assister à une belle opposition. Hein, oh oui, je pense. Oui, 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 oui. Pour 5 minutes, au bout de 6 heures. Déjà, premier constat, c'est que les filles courent à peu près dans le même rythme. Hein. Céline Perrichon est légèrement plus rapide. Oui. Céline n'a pas trouvé ses marques. Elle est à 1 sur 2, donc 3 sur 6. Donc à l'inverse, elle va essayer de rattraper son retard grâce à sa course. Et on a déjà dépassé la première minute de course. On est sur une égalité parfaite. 7 sur 10 entre les deux joueuses. Alors, échec pour Valérie Maugiron, qui était précédée d'un échec de Céline Perrichon. Pour l'instant, c'est la Billy Badoise qui avait une petite boule d'avance, mais Céline Perrichon est revenue à égalité et vient de passer devant. Plus une pour Nyons. On sur 10, 2 minutes de course. Perrichon est toujours en avance d'une boule, 16 à 15. Ah, elle vient de se manquer là. Et c'est 16 partout maintenant, 16 sur 22 pour les deux. Valérie a fait un trou, elle est à moins 1. On est rentré dans les deux dernières minutes de course. Céline aussi à l'instant. Et bien, égalité parfaite. Égalité parfaite. On avait annoncé un match serré, le voilà. C'est vraiment du grand spectacle offert par ces joueuses. Ah, elles font même des trous en même temps, quoi. C'est vraiment beau à regarder. Elles tapent en même temps. Pour Céline Perrichon, Valérie Maugiron prend les devants. Et oui, peut-être plus pour un. Une. À part le début de course. Et plus deux même. Hein, qu'elle était pas en tête. Plus deux pour Valérie Maugiron. Plus 3, et oui. Et on est rentré dans la dernière minute de course. Céline Perrichon pour Nyons qui faiblit un petit peu.
échec pour Valérie Mougeron. On est rentré dans les 33 dernières secondes. Mais la Mili Badoise a 3 boules d'avance. Céline Ferrichon doit maintenir son rythme de frappe pour accrocher le point de bonus défensif. La plus 4 pour Saint-Vulbas. C'est frappé pour Céline Ferrichon. Et voilà. Alors là, ça va être très, très, très compliqué, voire mission impossible pour l'équipe de Nyons, pour les traditionnels.